Chez Lip, où je dîne seul. Ce soir, à cause de la grève générale, des manifs, des embouteillages, la clientèle est réduite aux gens du quartier. Conversation à bâton rompu avec Monsieur Jean. Nous évoquons l'époque où je venais ici, chaque jour, avec la belle Vanessa. De fil en aiguille, nous parlons de Chiara Mastroianni et de son père. Nous causons cinéma. Je lui dis que mon cœur fait boum chaque fois que, déjeunant ou dînant chez Lip, je vois Lorraine Bacal entrer, s'asseoir à une table proche de la mienne. Monsieur Jean me remémore les acteurs qu'il y a connus. Elizabeth Taylor, George Hamilton, Gregory Peck, le fils d'Errol Flynn, beau comme un dieu. Nous rions en nous rappelant le jour, j'étais là, où la chanteuse Madonna avait débarqué chez Lip avec une suite de plus de 10 personnes pour y faire un repas végétarien. J'attaque les huîtres. Soudain, je lève les yeux. Passant devant ma table, vêtue de noir, en grand deuil, une jolie petite fille et une femme encore belle. Je reconnais la veuve de Louis Malle, dont les obsèques seront célébrées demain matin à Saint-Sulpice. Le boulevard Saint-Germain a failli ne jamais exister. Il s'en est fallu de peu. À l'origine, une mère qui tente de se faire avorter, mais échoue. À peine l'enfant est-il né, elle l'expédie chez une vague cousine. Quelques années plus tard, celle-ci, avec la complicité de sa fille, tente d'assassiner le jeune garçon. Meurtrière maladroite, elle se trompe. C'est un autre gamin qui boit le poison et en meurt. Notre héros n'a pas encore le moindre poil au menton. Il a déjà échappé 2 fois à la mort. Comment ne pas voir, ainsi que le feront ses biographes, la preuve que cet enfant était prédestiné? Avouez, charmante lectrice, que vous ignoriez que le baron Georges Haussmann, l'éventreur du vieux Paris, eût vécu une jeunesse tant mouvementée. Vous auriez de bonnes raisons pour cela. En effet, il ne s'agit pas de lui, mais de l'évêque Germain de Paris, dont Venance Fortuna, l'auteur du célèbre Vexilla Regis, a raconté la vie périlleuse. Le gros baron, lui, personne, sauf Baudelaire qui haïssait le nouveau Paris en train de naître sous ses yeux, n'a jamais songé à l'assassiner. Les Parisiens n'avaient aucune chance d'échapper au boulevard, mais zigouillé en bas âge, Saint-Germain ne lui aurait pas donné son nom. C'est en 555 que notre Germain fut élu et consacré 20e évêque de Paris, sous le règne de Childebert, fils de Clovis. En 754, l'église où il était enterré depuis sa mort, survenue en 576, fut reconsacrée sur le vocable de Saint-Germain-des-Prés. Placée derrière le maître-autel, la chasse de Saint-Germain, soutenue par 2 anges, était paraît-il d'une grande beauté. Elle a disparu pendant la Révolution, sans doute détruite par des sans-culottes. Les crétins, c'est même ce qui les caractérise, détestent le passé. À 17 ans, j'accompagnais parfois un camarade, nous étions en terminale, qui nourrissait une passion pour Jean-Paul Sartre. Nous le suivions rue Bonaparte, rue Jacob, et dès qu'il jetait un mégot par terre, Sartre fumait comme un turc, cet ami se précipitait sur la précieuse relique et la glissait dévotement dans une boîte, presque une chasse. On a le Saint-Germain et la chasse qu'on peut. Je m'amusais à le regarder faire. Les philosophes que j'admirais, Épicure, Sénèque, Schopenhauer, Nietzsche, ne fumaient que des pissenlits par la racine. Mais eussent-ils été vivants, je ne leur aurais pas témoigné un tel chef-diable. Je reprends ma phrase. Les philosophes que j'admirais, Épicure, Sénèque, Schopenhauer, Nietzsche, ne fumaient que des pissenlits par la racine, mais eussent-ils été vivants, je ne leur aurais pas témoigné un tel fétichisme.